Good morning, everyone. We are delighted to welcome you here this morning to the 2021 Congress of the Swiss Sociological Association, Social Justice in Times of Uncertainty. My name is Marlene Sahakian. I'm here at the University of Geneva, and we very much wish we could have welcomed you in person here today in Geneva. But we will nonetheless have very inspiring and interesting exchanges over these next 3 days online. Good morning. I am Milena Chimienti. I am professor in migration studies at the School of Social Work and co-chair of this year's Congress of the Swiss Sociological Association. During the next 3 days, we will host 350 people, and we are sincerely grateful to welcome such a large number of participants to this Congress despite the digital format. We will discuss together key and important issues related to social justice and uncertainty. The 500 contributions to the 2021 Sociology Congress are of three types and reflect our research communities. First, paper session. We have circa 40 paper sessions dispatched over the 3 days, with each time 10 paper sessions working in parallel. We have 20 semi-plenaries with 5 semi-plenaries in parallel and 4 keynotes over the 3 days. Each session will last 1 hour and 30 minutes. Now, the topic of this conference is obviously related to the pandemic we all experienced this year and the correlated uncertainty it provoked worldwide. The pandemic context has been a revealing phenomenon of old and new inequalities, blocking access to forms of redistributive justice, even in rich countries and cities such as Geneva, as well as the possibility in other countries to express one's needs and thoughts. The contributions to this year's Congress have in common to highlight how the issue of inequality is diverse nowadays in terms of object, population, and conceptualization. The different contributions show that the object of inequalities is diverse. They speak of inequality of status, inequality of condition, inequality of access, inequality of participation, inequality of outcome, inequality of opportunity or capacity, inequality at a given moment or throughout the life course in the form of an accumulation of disadvantages. For instance, the sessions on gender studies today will explore how differently the context of uncertainty has affected the genders in terms, among others, of work, family, education, and public access. The different contributions highlight how diverse are the populations experiencing these inequalities. They speak, among others, about welfare recipients, the elderly, young people, and those living with mental or physical disabilities. For instance, the sessions on sociology of migration and minorities will discuss the case of racialized people, forced migration, transnational families, and the case of unprivileged youth. These diversifications has led also to different conceptualization of inequality in terms of exploitation, domination, segregation, discrimination, marginalization, which emphasize different causes and scales of inequality. For instance, one of the semi-plenaries today afternoon on racism in Europe will provide some understanding on the way race is socially constructed across different contexts and to which extent these differences lead to specific forms of racism. Today, also, the paper session on the sociology of healthcare highlights the danger of a new form of inequality
related to digitalization in neoliberalism context. And logically, the diversification of object, population, and conceptualization of inequalities leads also to a diversification of social justice proposals to reduce these inequalities, ranging from targeted proposals to the need for global responses, as well as different forms of state's answer, from welfare to penal state. In most countries, great income and welfare inequalities create major related injustices, including sharp differentials in hunger, life satisfaction, life expectancy, and political power. Although the scale of inequality is not comparable between countries, Western countries and Global South countries, even a rich city like Geneva saw people lining up for food aid. These social injustices have created claims for change from grassroots social movements that have crossed national borders, from Black Lives Matter to Me Too movements and to climate mobilization, for instance. Our four keynotes precisely explore where does hope and agents of change lie in this context of uncertainty and social injustice. Today, our keynote, Michel Lamont from Harvard University, will discuss how the new generation in the US find and produce hope during this period and offer alternatives to neoliberal scripts of self. On Tuesday morning, our keynote, Anita Babiska from Ashoka University, will address this question and explore agents of change by drawing on research in India. We have two other excellent keynotes this week. On Tuesday evening, Peter Wagner from the University of Barcelona will discuss biophysical resources, socio-ecological transformations, and the question of global justice. And to close our conference on Wednesday evening, Ota De Leonardis from the University of Milano Bicocca will discuss preparedness as a notion that gives an uncertainty and a double face, providing two opposite images of the future. So while Milena Chimienti has covered the notion of inequalities, I will now turn to this question of social justice, which can also be apprehended in different ways. Social justice theorist John Rawls proposed that distributional justice might involve primary goods, such as rights, liberties, power, and opportunities, and that an unequal distribution is a social justice question and should always favor those who are least advantaged in general. Amartya Sen put forward a different formulation in that justice is not only about the distribution of primary goods, but also about the capability to achieve certain valued functionings. There are several papers and presentations over the course of the next 3 days that touch on this question of distributional justice. For example, this morning, a paper session on waste and modern societies will consider how waste is defined in modern times and the uneven effects of waste on different groups of people. Three paper sessions on arts and culture in times of crises will consider the effect of the compounded crises, COVID-19, financial crises, et cetera, on the arts and cultural sector, whereby uncertainties and precariousness have become all the more visible in recent months. There's yet another way of understanding justice. In addition to distributional justice, other theorists conceptualize justice in a more relational approach, which requires recognition of groups whose rights might be overlooked or stigmatized. And still, there is a third way of understanding justice in terms of procedural or participatory processes. Here, attention is given to who is included or excluded from processes that lead to just or unjust outcomes. Here again, there are several papers and presentations that touch on
justice in terms of recognition and procedures. For example, a semi-plenary session in the sociology of technology will ask what roles, places, and representations for users in cyber administrative dispositifs. In the three paper sessions on impacts of finance and financing of impacts over the next 3 days, social and environmental justice will be discussed in relation to financial activities, including procedural forms of justice in terms of who can collaborate and in what way towards integrating sustainability concerns into financial decision-making, for example. Thirdly, this focus on social justice reveals a normative aim that is very much at the heart of our discussions these next 3 days. As I work myself on environmental sustainability issues, this question of what goal we seek to achieve as sociologists has occupied my work for quite some time. This afternoon, two semi-plenary sessions are being hosted around this theme, sustainable consumption and social justice, and housing and social justice. Both will discuss the question of how to achieve a sense of justice based on notions of human well-being in relation to consumption for the former, and the idea of the commons instead of commodity for the latter in relation to housing. And on Wednesday, a roundtable aptly named À quoi sert la sociologie aujourd'hui? What is sociology for today? We'll discuss 50 burning questions for sociology as a discipline and the role of sociology in our society. Organizing a conference online turned out to be a huge amount of work. Fortunately, we benefited from such a terrific and efficient team, and we would like to take a moment now to thank them here. First, Geraldine Moana from the University of Geneva and Adriana Ramos from the School of Social Work, Geneva. They represent the two key pillars of the organization of this Congress and work closely in partnership. This Congress would have been impossible without their dedicated work. A huge thanks also to Irène Courtin, who in parallel to her PhD was responsible for fundraising and also has coordinated the 12 volunteers supporting us during this Congress. A huge thanks also precisely to all the volunteers that are with us helping to make this Congress possible. Sorry not to be able to name you all. We are also grateful to our fantastic scientific committee that represents the three institutional partners in this Congress, from the University of Geneva, Jean-Michel Bonvin, Julien de Bonneville, and Marilyn Liebert. From the University of Applied Sciences and Arts, Western Switzerland, Arnaud Frauenfelder and Valérie Hugentobler. And from the Graduate Institute of International and Development Studies, Aditya Bharadvaj and Graciela Moares-Silva. From CNRS and HESS Paris 1, Muriel Darmon, and of course, Marlene Sarkian and myself. Thanks also to the Swiss Sociological Society Steering Committee for its support and trust in us, in particular our president, Rainer Diaz-Bonnet, from the University of Lucerne, Jörg Hössel from the University of Zurich, and Christian Sutter from the University of Neuchâtel, who was a former member of the board and who hosted the 2019 edition of the Congress and has been a precious resource for us in the planning phase. Thanks also to our sponsors and supporters who are all listed on our website. Finally, we thank Mike Pensers from Studio Mike, who created such a friendly user digital platform for this Congress. Alban Franchis from OnStage, who is responsible for the Zoom sessions, and Manon Volland for support with communications and her excellent tweeting skills. By the way, please continue to email her during the Congress any highlights, pictures, and quotations from sessions you participated in, so she can gather together all this information for the newsletters that will go out these next 3 days.
Thank you, Milena. And now, since this conference is taking place entirely online, we do need to give you a few technical tips, let's say. So Zoom is the platform that we've chosen for the hosting of this conference. All of the sessions will take place over Zoom, and the Zoom links can be accessed via the platform. Because of the timing, just please be wary of the fact that every Zoom session must end at least, at the very latest, 5 minutes after the official ending time. So 5 minutes after, you will unfortunately be cut off to allow time for the next group to arrive, similar to how we do in real meeting spaces. Other people need to come in, so you would need to leave your Zoom room. And those Zoom rooms, however, do open 10 minutes before, more or less, 10 minutes before the session. Volunteers are responsible for opening these rooms. Please be patient. If there are any technical problems and the room isn't open exactly 10 minutes before your session, don't worry, we have backup. There are people on call who are making sure that every room is open, that will be verifying everything. And if there is a technical problem, we have the equivalent of a walkie-talkie here with our phones, where we get updates and messages, and we're able to pinpoint issues and come to your assistance. So the volunteers are also there to help you. If you do get cut off and you want to continue your conversations, please do visit the community pages of our platform. That community space is really designed to allow you to have conversations before and after your sessions. Maybe if you want to follow up on an article that you heard referenced, or you want to have more information on a certain point, please use the community platform to reach out to your colleagues. Only the keynotes will be in a webinar format. And I don't know if many of you maybe are familiar with Zoom, but usually a Zoom meeting, anyone can be given a voice, anyone can ask a question, etc. But in a webinar format, it's a little bit different. The people who are invited to listen to a webinar are not able to speak during the webinar. It's simply technically difficult given the size of the conference. So most the guests, I would say, are not going to be visible and will not have a spoken voice, let's say an audio voice, during the keynotes. However, it is the job of the moderators during the keynotes to manage all of the questions and answers, the questions that are going to be coming in, and moderating the discussion so that you can get answers to your questions. So please do use the chat function on Zoom to be able to ask your questions during the webinars. Another point we wanted to make is that the keynotes will all be recorded, but the other sessions are not going to be recorded automatically. It is up to the session organizers to decide if they, with the approval of the participants, if they want to record or not. And the volunteers should be there to prompt you. Another feature that we have on our platform is a new section called Geneva Art. In this time of uncertainty and crises, we knew that the cultural sector had been very much impacted by the pandemic. And so we've dedicated some funds to support arts and culture. And there you will find musical performances, photographs, different forms of performance arts. I hope you will take the time to go on a break or later this evening and enjoy the cultural offer that is being made available on those pages. Last but not least, we've also done a tremendous job at pulling together a space for publishers who are near and dear to us in terms of the sociological community here in Switzerland. So we have publishers such as Seismo, Antipode, but also institutional publications. And we've asked them all to go and select key publications that they find particularly relevant for the conference theme. So do go have a look. And speaking of publications, we have a special announcement to make. The Organizational Committee of the 2019 Congress of the Swiss Sociological Association on the Future of Work, which was held at the University of Neuchâtel, has published a collective interdisciplinary book now available at Seismo. The Future of Work seeks to grasp the trends that were reshaping the world of work before the COVID-19 pandemic, along with its effects
on the workers and labor markets and was written in the immediate aftermath of the outbreak. So I very much encourage you to have a look at that book. To open now our Congress, we invited the rectors of the three partner institutions for this Congress to reflect on the challenges raised by uncertainty for their higher education institutions. The roundtable is moderated by Marilyn Liber, who is professor in gender studies at the University of Geneva. This is the only session that we have pre-recorded as the three rectors could not be all present at the same time. This roundtable will be followed by a small break, and the first panel session will start at 10:45 sharp. We just have now to wish you great and fruitful discussion and hope you will enjoy this conference as much as we have in organizing it. And now our opening session. Bonjour et bienvenue dans cette table ronde qui ouvre le Congrès suisse de sociologie 2021, qui est intitulé « La justice sociale en période d'incertitude ». Alors un titre qui est évidemment lié à la situation que nous vivons depuis plus d'un an, la pandémie qui agit comme un miroir grossissant sur les inégalités à différentes échelles, au niveau global comme au niveau local, et qui nous oblige à repenser, à rediscuter les frontières de nos libertés fondamentales. Alors deux termes forts, justice sociale, incertitude. La justice sociale qui interroge les rapports sociaux, les rapports de classe, les rapports de race, de genre, la distribution et l'accès aux ressources, les enjeux environnementaux notamment. Et puis le deuxième terme, incertitude, qui est une question aussi importante pour la sociologie et qui était existante avant même la pandémie et qui, si elle met mal à l'aise, un certain idéal occidental d'une société qui serait exempte de tout risque, eh bien, a également des vertus, pour citer un titre d'un livre de sociologie, qui favorise donc des débats, des négociations, des remises en question, et voire permet en fait l'aménagement d'espaces émancipatoires. Alors, ce congrès est organisé pour la première fois de façon conjointe entre trois institutions genevoises d'enseignement supérieur qui comptent en leur sein des sociologues, sociologues qui ont commencé depuis quelques années à se rencontrer de façon relativement régulière autour de leurs travaux, de leurs intérêts de recherche. Les sociologues de la Haute École de Travail Social, dans le cadre de la Haute École spécialisée de Suisse occidentale, les sociologues de l'Institut des hautes études internationales et du développement, et puis les sociologues de l'Université de Genève. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés les personnes qui dirigent ces institutions et qui nous honorent donc de leur présence aujourd'hui. Luciana Vaccaro, vous êtes rectrice, de la Haute École spécialisée en Suisse occidentale. Marie-Laure Sall, vous êtes directrice de l'Institut des hautes études internationales et du développement. Et Yves Flukiger, vous êtes recteur de l'Université de Genève. J'en profite également pour me présenter. Marilène Liber, je suis sociologue et je suis professeure en études de genre à l'Université de Genève. Et donc, nous avons décidé, avec le comité d'organisation, que pour cette ouverture de ce colloque qui va se passer entièrement à distance, eh bien, nous avions aménagé un format qui favorise le dialogue entre nos trois institutions et qui donc concrétise ce partenariat entre nos trois institutions. Alors, je le disais, justice sociale, incertitude. Et donc, je voulais commencer par une question assez générale qui nous permette de mieux connaître vos institutions. Vous pouvez commencer évidemment par un mot de bienvenue. Et après, sachant que vos institutions, en fait, ont des vocations, ont des publics différents, eh bien, j'aimerais que vous nous donniez
ou que vous nous parliez de certains défis de justice sociale auxquels vous êtes confrontés dans vos institutions. Madame Vaccaro, je vous laisse commencer. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis d'ouvrir avec mes collègues ce congrès. Alors, la HSSO est, comme toute la société, confrontée à différents défis. Je peux citer dans le parcours d'études, par exemple, de nos étudiants, à commencer par les épreuves de régulation qui permettent aux étudiants d'entrer dans les études en travail social, que je représente aujourd'hui ici, notamment, par exemple, les étudiants qui sont en situation d'handicap visuel. Ces épreuves, nous sommes confrontés au fait de pouvoir fournir un accès égalitaire et équitable à ces étudiants, à ces épreuves, sans qu'ils soient discriminés par leur handicap. L'autre élément qui est assez criant à la HSSO dans son ensemble, c'est la différence de genre dans les différentes disciplines. Un exemple, en ingénierie, c'est un gros domaine du travail de la HSSO, il y a des filières dans lesquelles il y a 11% de femmes. Et au contraire, dans les domaines de la santé, du travail social, il y en a environ 70 qui sont des femmes. Et vu que je suis convaincue que le talent est distribué d'une manière égale dans la population, nous faisons un gros travail pour casser ces barrières qui sont surtout des barrières culturelles ou sociologiques, j'ose dire, pour casser les tabous et pour faire en sorte que toutes les vocations puissent s'exprimer. Ensuite, on sait qu'à la HSSO, environ 70% des étudiants travaillent, ce qui veut dire qu'ils ont une condition socio-économique qui est très différente. Et la pandémie, notamment, nous a confrontés avec le fait que certains qui ont perdu leur travail se sont trouvés dans une situation économiquement très difficile. Donc, comment nous, on peut pallier à cette situation qui a été mise en exergue par la pandémie, mais qui était existante? Si je reviens à la question du genre, nous on voit que même dans les domaines dans lesquels il y a beaucoup de représentations féminines, il y a un effet ciseau, ce qu'on appelle un effet ciseau, c'est-à-dire que même s'il y a beaucoup d'étudiantes qui prennent leur diplôme, dans les postes dirigeants et dans les postes de professeurs, il y a une dominance d'hommes. Donc on se demande à quelle étape de leur carrière il y a une perte, non, dans ce tuyau qui amène les personnes à un niveau supérieur. Puis enfin, j'aimerais aussi citer un projet que nous menons ensemble avec plusieurs institutions, dont l'Université de Genève, qui est un projet, le projet INVOST, qui vise à permettre aux étudiants, aux jeunes réfugiés, d'avoir des conditions d'accès équitables pour entrer dans une institution comme la nôtre, alors qu'ils n'ont pas eu les mêmes possibilités d'obtenir les diplômes ou même de les... de pouvoir les produire. Je pense que quand on quitte un pays en guerre, ce n'est pas la première chose qu'on prend, ce n'est pas son diplôme. Et donc, il y a toute cette thématique autour de la justice sociale qui dépasse les frontières de la Suisse que nous aimerions aussi affronter. Merci beaucoup pour cette présentation à accès à la formation, rapport de genre, mais aussi dimension internationale, ce qui donne un lien très intéressant pour vous passer la parole, Marie-Laure Salle. Merci beaucoup, Marilène, et bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être sur cette table ronde d'introduction à double titre, je dirais, bien sûr en tant que directrice de l'Institut des hautes études internationales et du développement, mais aussi en tant que sociologue moi-même, donc c'est vraiment un double plaisir. Malheureusement, le congrès a encore lieu cette année en ligne, mais le thème est particulièrement... passionnant, particulièrement secouant, je dirais même, et je pense que vous aurez toutes et tous de très intéressantes discussions. Pour revenir à l'Institut et aux enjeux de justice sociale, et là je resterai sur les enjeux vus de manière large, au-delà, avant, après la pandémie, sans rentrer vraiment dans la problématique de la pandémie à ce stade. Je crois qu'il y a essentiellement deux manières dont on se pose la question à l'Institut. Une première manière qui est autour du S à diversité, c'est-à-dire de la réflexion sur les diversités plutôt que la diversité. Je vais revenir là-dessus dans un instant. Et puis un deuxième axe qui est très important pour nous,
C'est la question plus complexe, je dirais même encore, de l'inclusion. L'inclusion comme fait émergent au sens durkheimien du terme, et là aussi je reviendrai sur ce que ça veut dire pour nous. Donc que veut-on dire à l'Institut par diversité au pluriel? Évidemment, bien sûr, le genre, on va commencer par là, mais à l'Institut, on n'a pas tout à fait les mêmes questions que la HESSO, en tout cas sur la population étudiante, puisqu'on a une population étudiante très très largement féminine. Plus de 65% de nos étudiants, année après l'autre, sont des étudiantes en réalité, ce qui correspond d'ailleurs, il faut bien le voir, à un chiffre assez général au niveau des moyennes génériques européennes. Les étudiants sont surtout des étudiantes en Europe. Évidemment, la question se pose, comme vous l'avez mentionné, Madame Vaccaro, se pose plus pour les professeurs et surtout pour les professeurs plus seniors. La bonne nouvelle de cette année, c'est que nous avons fait 6 recrutements et que sur les 6 recrutements actuellement faits, nous n'avons que des femmes. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, c'est peut-être un peu trop extrême, mais il est clair que dans la population de professeurs assistants, on arrive à maintenant avoir un équilibre dans les postes de professeurs plus seniors ou dans les professeurs de responsabilité académique, comme il a été indiqué aussi, il y a encore évidemment de la marge. Au-delà du genre, évidemment, nous, pour nous, se pose vraiment la question de la diversité ou des diversités géographiques. Et l'Institut est un institut international par nature, par naissance, on dira, avec plus d'une centaine de nationalités représentées dans l'Institut. Et pourtant, on voit bien quand même qu'on a des parties du globe qui sont plus ou moins bien représentées. Il est très clair que sur l'Afrique, nous avons encore beaucoup d'efforts à faire. Je dis souvent, et ce n'est pas une plaisanterie, que sur la Suisse, nous avons des efforts à faire. Et donc, il y a des parties du monde qui sont... sur lesquelles nous devons beaucoup travailler. Au-delà des diversités géographiques, il y a aussi les diversités de capacités, au sens très large du terme. Et là aussi, c'est des choses sur lesquelles on finalement, je pense que beaucoup d'institutions ont assez peu travaillé de manière proactive et qu'il va falloir dans les années à venir beaucoup plus réfléchir à ces questions-là. Et de manière assez intéressante, et ça c'est quelque chose qui me perturbe depuis un certain nombre d'années, au-delà de la dimension des diversités géographiques, je crois qu'il y a aussi une dimension de la diversité intellectuelle. Et c'est particulièrement le cas quand on pense recrutement de professeurs. Je vous ai parlé tout à l'heure de la grande diversité d'origine de nos étudiants. Il y a aussi à l'Institut une grande diversité d'origine de nos professeurs. Géographique, origine géographique, mais quand on regarde les lieux où ils ont été formés, là tout de suite on a un rétrécissement géographique assez important et on voit très bien que dans nos processus de recrutement de professeurs, c'est très très difficile d'aller chercher les gens qui ont été formés dans les universités qui ne font pas partie des Ivy League occidentales pour faire simple. Donc là, comment on intègre ce genre de diversité intellectuelle? Je crois que c'est un vrai défi pour nous, mais pour les universités en général. Au-delà de ça, évidemment, la diversité sociale, les diversités sociales qui, là aussi, sont des réflexions qui, dans l'institution où j'étais auparavant en Sciences Po, étaient une réflexion assez poussée, assez systémisée et qui aujourd'hui, pour moi, représente en effet un vrai défi pour les années à venir, réfléchir à la manière dont ces diversités sociales-là peuvent être plus et mieux prises en compte. Un tout petit dernier mot pour conclure sur la notion d'inclusion. Au-delà, la notion d'inclusion comme une dynamique d'émergence, comment construit-on finalement un collectif qui est plus grand que la somme de ses parties? Et ça, c'est pour moi un vrai défi parce que les diversités, si elles sont juste juxtaposées les unes à côté des autres, n'amènent pas à ce qu'on souhaite, je pense. Notion d'inclusion et les dynamiques qui doivent être construites pour la faciliter sont vraiment extrêmement importantes. Comment va-t-on créer des dynamiques productrices de ce que Édouard Glissant appelle l'errance et donc l'apprentissage réciproque et donc la construction de quelque chose qui est l'émergence finalement de toutes ces diversités dans une collectivité qui est unique et qui reflète l'ensemble de cette diversité. Pour moi, c'est le très grand défi des années à venir. Merci beaucoup. Donc un vaste programme qui demande vraiment une pratique réflexive de tout un chacun. J'imagine que ces enjeux concernent également l'Université de Genève, mais peut-être y en a-t-il d'autres, Yves Flukiger. Sans doute beaucoup de choses ont été déjà dites, chers collègues.
Chères organisatrices, j'aimerais tout d'abord vous souhaiter une très cordiale bienvenue à cet événement, cette table ronde et au congrès organisé cette année à Genève pour le congrès d'Association Suisse de Sociologie. Vous avez fait preuve d'innovation en mettant autour de la table et autour de l'organisation trois institutions qui collaborent vraiment au jour le jour, et j'en suis vraiment tout à fait ravi avec Madame Marie-Laure Salle, la professeure Salle, qui est nouvelle directrice de l'Institut des hautes études internationales et du développement, avec Luciana Vaccaro et la HESSO, avec laquelle on collabore effectivement énormément dans beaucoup d'éléments de complémentarité. Alors ces enjeux effectivement liés aux inégalités, à la diversité, sont évidemment extrêmement prégnants aussi pour notre université de Genève. On a peut-être à différents échelons de la vie étudiantine en particulier des interventions qui ont été mises en place au cours des dernières années. Tout d'abord, accès aux études. On constate encore aujourd'hui que des inégalités existent selon les milieux sociaux, selon les pays d'origine. Et ça, c'est un élément sur lequel on a souhaité agir le plus intensément possible. On l'a fait avec le programme Horizon Académique, auquel d'ailleurs nos deux partenaires participent également. C'est un programme qu'on a souhaité pour donner effectivement des chances à des personnes qui se trouvent en fait dans notre pays avec des difficultés d'accès à la formation supérieure. Et on pense effectivement que notre rôle en tant qu'institution universitaire est de pouvoir leur offrir des possibilités. On l'a fait parfois un tout petit peu en dérogation des normes ou des règlements qui sont parfois inscrits dans nos fonctionnements, à savoir effectivement que pour pouvoir accéder à des études universitaires, il faut faire état d'un certain nombre de titres préalables avant de pouvoir venir à l'université de Genève. Et là, on a décidé effectivement de faire en sorte tout d'abord d'intégrer ces étudiants formellement à la vie étudiantine, accompagnés d'ailleurs par des associations d'étudiants qui leur ont donné aussi les ressources nécessaires pour pouvoir accéder à ce monde universitaire, avec des formations en langue tout d'abord, parce qu'on pense que c'est évidemment un élément extrêmement important de cette intégration. Et puis également ensuite avec l'accès à des études qu'ils ont choisies, en leur donnant effectivement des crédits qu'ils auront pu obtenir à l'avance, au moment où ils ont fait des cours en tant qu'auditeurs. Donc on a utilisé ce statut d'auditeur pour créer quelque chose qui était un peu une innovation au sein de notre université de Genève et qui vraiment marche extrêmement bien. Vous l'avez vu aussi dans vos institutions, à peu près 150 étudiants qui aujourd'hui participent à ce programme. Et la réussite de ce programme dépendra aussi très fortement de notre capacité que nous aurons à pouvoir intégrer ces étudiants dans le monde du travail. Ça, c'est encore quelque chose sur lequel on doit travailler avec les partenaires qui nous soutiennent et notamment aussi avec la Confédération. Ça, c'est un exemple de ce qui a été fait pour l'accès aux études. Peut-être que je rajouterai encore un programme InZone, parce qu'il me semble que les deux programmes doivent être conçus parallèlement. On a des gens réfugiés qui se trouvent ici à Genève et qui doivent pouvoir accès à des études universitaires. Mais on a plein de gens qui ne peuvent pas venir dans notre pays. Là, on a développé un programme InZone qui était au départ un programme de traduction et d'interprétation dans les zones de conflit, et en particulier dans des camps de réfugiés, que ce soit en Jordanie ou au Kenya. Et ce programme s'est développé de manière extrêmement importante, et aujourd'hui c'est un programme qui va bien au-delà de l'interprétation et de la traduction. Au départ, c'était conçu pour que les gens puissent se comprendre et s'entendre. Aujourd'hui, c'est véritablement amener la formation supérieure dans les camps de réfugiés. Et je pense qu'il faut vraiment le voir ça comme un tout. J'associerai également le programme Scolaratrice, qui est aussi une composante importante auquel mes collègues également participent activement, pour pouvoir accueillir des personnes qui se trouvent effectivement en danger dans leur carrière académique. Ça, c'est l'accès aux études. Ensuite, il y a le fait que lorsque les étudiants sont en études, on doit pouvoir leur donner des chances égales de pouvoir terminer leurs études avec des taux de réussite identiques. Je ne crois pas que ce soit nécessairement toujours le cas. Là encore, on doit aussi vraiment pouvoir développer des programmes qui aident des étudiants en difficulté financière en particulier. Alors, durant la pandémie, on a mis en place vraiment des programmes extrêmement importants pour pouvoir justement répondre à ces besoins. Et après, je dirais qu'il y a le versant accès au monde du travail. Et là encore, on le sait fort bien, malheureusement, que cet accès au monde du travail reste inégal pour toute une série de personnes. Et là, la question de la diversité va être évidemment extrêmement, extrêmement importante. Je me souviens toujours d'un étudiant qui avait suivi des études avec moi à l'époque où j'étais encore professeur dans notre institution, qui s'appelait Jean Calvin. Joli nom. Et Jean Calvin, quand il postulait à des postes de travail, il avait souvent des entretiens. Mais lorsqu'il se présentait, il s'avère que effectivement c'est un étudiant africain, et puis tout à coup le poste était occupé. Donc c'est vrai que j'avais rencontré Jean Calvin quelques années, une année ou deux ans après ses difficultés d'insertion sur le monde du travail, et on avait essayé de faire ensemble des programmes qui ont permis effectivement de le rapprocher du monde du travail de telle manière à ce que finalement il puisse trouver un job. Et ce type de réalité, malheureusement,
elles existent encore. Il faut vraiment prendre ça très au sérieux et de pouvoir y apporter des réponses très concrètes. Je dirais aussi le programme qu'on a développé, qui est un COSC, un Certificate of Open Studies. Ça, c'est aussi un programme qui me paraît intéressant. On a toute une série de personnes qui n'ont pas accès, encore une fois, aux études universitaires parce qu'elles n'ont peut-être pas fait des études préalables qui leur permettent d'accéder à ces formations. On offre des MOOC, comme vous le faites légalement, à travers le monde. Et malheureusement, ces étudiants, souvent, terminent un MOOC, mais sans certification quelconque. Alors, le COS, tel qu'il est ici dénommé, permet, là, effectivement, de pouvoir offrir, là, encore une fois, des certificats à ces étudiants. Je terminerai très rapidement encore sur d'autres choses qu'on a faites dans le domaine aussi de la politique d'égalité, de diversité. Je crois qu'il faut vraiment aussi rappeler que la diversité ne doit pas se faire au détriment de l'égalité entre les genres. C'est vraiment toujours très important de constater qu'on n'est pas encore au bout du chemin de ce point de vue-là. Il faut continuer à travailler sur l'égalité entre hommes et femmes, mais évidemment élargir ça ensuite à la diversité. Et là encore, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais on a encore toujours des progrès à faire importants, surtout dans la diversité. Je citerai juste encore un dernier élément de côté de la diversité, ça fait partie des innovations qui vont être lancées à la rentrée. On aura un programme de formation de master offert par la faculté de traduction et d'interprétation pour le langage des signes. Et ça, c'est évidemment quelque chose aussi important dans l'inclusion de ces populations qui souffrent d'un handicap, d'une situation de handicap, de pouvoir leur permettre d'accéder à ces formations supérieures. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces exemples très concrets, en fait, de réponses qu'une institution comme la vôtre peut donner à ces enjeux d'accès dont on a vu qu'ils sont extrêmement, extrêmement vastes et que nous avons encore du travail. Alors, on l'a mentionné tout à l'heure, on traverse une période très spécifique, cette pandémie. Le dispositif qui est le nôtre le montre, puisque tout ce congrès va se faire en virtuel, à distance. Finalement, vous l'avez mentionné rapidement, mais est-ce qu'on peut s'arrêter un peu plus longuement sur la façon dont cette crise, les réaménagements qu'elle a demandés, qu'est-ce que ça a été pour vous? Quels ont été les principaux défis? Comment est-ce que vous y avez répondu? Je vous propose, Marie-Laure Salle, de répondre en premier. Alors évidemment, cette pandémie, moi je suis arrivée un petit peu au milieu du chemin de la pandémie, donc une partie des réponses avait été apportée par mon prédécesseur. Mais si je résume les grandes étapes, on a d'abord eu une étape d'investissement, avec un S à investissement, des investissements matériels évidemment dans la technologie pour pouvoir passer tous nos enseignements en ligne et en hybride et revenir, marche arrière, etc., comme nous l'avons fait au cours de l'année. Des investissements évidemment en formation, ça a été finalement une période très intense de l'été dernier dans laquelle la formation de l'ensemble des équipes, que ce soit évidemment les professeurs, mais que ce soit aussi en fait les équipes administratives, accompagnantes, enseignantes, etc., pour réinventer l'enseignement en ligne. On sait bien que l'enseignement en ligne, ce n'est pas juste du copier-coller de l'enseignement en classe, ou alors c'est compliqué. Et puis, des investissements aussi en mécanismes de support pour les étudiants, que ce soit des mécanismes de support financiers, puisque c'est vrai que là, les inégalités, on le sait, c'est presque une banalité de le dire aujourd'hui, mais les inégalités qui étaient préexistantes entre nos étudiants deviennent encore plus aiguës dans cette période. Donc des investissements en moyens simplement de bourses complémentaires ou d'aides ponctuelles complémentaires pour permettre aux étudiants qui en ont besoin d'y avoir accès. Mais aussi, et ça a été quelque chose de très important, qui a pris plus d'importance, je dirais, pendant l'automne et au début de l'hiver, sur les investissements sur le support psychologique, puisque très très vite, on a vu que non seulement il y avait des inégalités économiques, matérielles entre nos étudiants, mais il y avait aussi des inégalités que je qualifierais, finalement, une des dimensions qui a émergé, qui explique en particulier ces différences de réactions psychologiques, c'était le degré de solitude. Et comme nous avons à l'Institut, évidemment, beaucoup d'étudiants internationaux, certains de ces étudiants internationaux devaient faire un choix un peu drastique entre rentrer chez eux mais ne plus pouvoir revenir ou rester dans leur chambre d'étudiants et être seuls, en fait, en réalité, profondément seuls, avec pas de réseau
familial, peu de réseau amical, pour ceux qui venaient juste d'arriver en tout cas. Donc on a cette question de la solitude, je crois, qui est quand même très très importante et qu'on n'a peut-être pas assez identifié comme telle. Donc tout ça, ce sont des investissements de divers ordres qu'il a fallu faire. La chance de l'Institut, c'est que c'est une institution relativement petite en termes de nombre d'étudiants. Donc évidemment, on peut se permettre de suivre nos étudiants presque, je dirais, individuellement. Donc ça, c'est vrai que c'est une chance. On a une forme de réactivité que ne peuvent pas avoir les très grandes universités par nature. Donc ça, c'est une chance. Mais c'est néanmoins, ce qui est clair aussi, c'est que cette période a été épuisante. Elle a été épuisante pour tout le monde. Elle a été épuisante pour les étudiants. Elle a été épuisante pour les professeurs. Elle a été épuisante pour les équipes. Et je crois qu'en fait, on voit cette tension. Nous sommes revenus en hybride depuis quelques semaines, dès qu'on a pu le faire, nous sommes revenus en hybride. Un grand soulagement de ces quelques semaines de présentiel, malgré des discussions qui sont alors là intéressantes sur des discussions de justice sociale, certains étudiants nous disant « mais nous, on n'est pas là, alors pourquoi vous revenez en hybride ? C'est pas juste, parce que certains vont avoir accès à du présentiel et nous, on ne peut pas avoir accès à ce présentiel. » Donc ça, c'est une bonne question. Est-ce que la justice sociale, ça aurait été de rester en ligne pour que tout le monde ait exactement le même traitement, ou est-ce que la justice sociale, c'est aussi de maximiser vraiment la qualité, y compris avec cette différence de ceux qui sont là et de ceux qui ne sont pas là. Donc ça, je pense que c'est un débat assez intéressant c'est certainement pas la fin de ce débat. Un autre petit point peut-être sur la recherche, là aussi, on a vu des questions de justice sociale émerger, en particulier autour de nos doctorants ou même de nos jeunes professeurs assistants et des différences de méthodologie. En fait, évidemment, tous les étudiants, doctorants, tous les professeurs assistants qui ont besoin des archives, par exemple, ou qui ont besoin d'être sur des terrains très éloignés. À l'Institut, nous avons évidemment beaucoup de travaux de recherche qui sont faits dans des pays à l'autre bout du monde, ont soudainement été totalement désemparés, incapables de continuer leur recherche. Donc ça a amené aussi à une réflexion sur la prolongation évidemment de 6 mois, voire 1 an dans un certain nombre de cas, du temps qu'on pouvait donner à nos doctorants ou qu'on pouvait donner à nos professeurs assistants avant d'aller vers le processus de tenure qui est en place à l'Institut, etc. Donc là, on voit en fait aussi un questionnement qu'on peut aussi intégrer dans cette question de justice sociale qui est assez intéressant et qui probablement va rester pour encore quelques temps, parce que les frontières sont encore un peu fermées, vont prendre sans doute beaucoup de temps. Donc il va y avoir une question intéressante sur peut-être une réduction de ce genre de travaux, ce qui serait dommage. Hein. Donc c'est en termes de biodiversité de la recherche, il faut aussi qu'on se pose ces questions-là. Tout petit dernier point sur la manière dont nous avons géré toute cette période. Nous avions mis en place une cellule Covid qui est, comme beaucoup d'institutions, je pense, qui était multi-parties prenantes, avec des étudiants, avec des professeurs, avec des équipes administratives qui se réunissaient au début toutes les semaines et puis, quand les choses ont commencé à être un petit peu plus stables, tous les 15 jours. Et cette cellule Covid, elle se nourrissait en termes de ces informations de notre centre Global Health Center, qui est à l'Institut, évidemment en première ligne depuis maintenant 1 an, qui nous apportait toute la dimension, on va dire, informationnelle sur l'état de la pandémie, sur l'évolution de la pandémie. Et ce qui est intéressant là aussi, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à partir du mois d'octobre, on s'est rendu compte à peu près, hein, à partir du mois d'octobre, on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas et qu'au-delà de ces informations épidémiologiques, il nous fallait aussi avoir des informations qui étaient des informations beaucoup plus liées en fait à toutes ces questions d'isolement, de solitude, de questions psychologiques. Et donc il nous a fallu élargir vraiment la réflexion de cette cellule pour essayer de prendre des décisions qui soient des décisions un peu plus équilibrées entre le risque épidémiologique d'un côté et les risques sociaux
psychologique de l'autre. Et donc, du coup, on a vu en fait une dynamique et des prises de décision qui ont beaucoup évolué à partir du moment où on a décidé de mettre cela en place. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, peut-être, Yves Flukiger, comment ça se passe alors dans une beaucoup plus grande institution comme l'Université de Genève ? Les problèmes sont relativement similaires. J'aborderai peut-être le volet l'enseignement, la recherche et la gouvernance. Je pense que c'est trois volets intéressants. Pour le monde étudiantin, ça a évidemment été un choc extrêmement important. Il faut maintenant se rendre compte que certains étudiants ont passé quasiment trois quarts de leur master ou voire la totalité de leur master à distance, que certains étudiants ont commencé leurs études universitaires à distance. Et ça, c'est un impact qu'on n'a pas encore complètement mesuré l'effet, je pense, aujourd'hui. Alors, on a eu la chance à Genève d'avoir pas mal de fondations qui ont pu nous aider pour apporter des contributions financières exceptionnelles. Et là, on peut peut-être parler aussi d'une dimension internationale. On est dans un monde développé où on a la chance d'avoir des fondations qui ont pu nous apporter des contributions à plus ou moins hauteur de 3 millions pour pouvoir soutenir les étudiants qui ont perdu leur emploi, qui n'avaient pas accès toujours aux infrastructures nécessaires pour suivre les cours, aussi qui avaient des conditions de logement qui étaient extrêmement difficiles pour pouvoir suivre des enseignements dans des bonnes conditions. Donc là, on a pu avoir des interventions importantes et j'en suis vraiment ravi comme ça a été fait à IHEID, à la HESSO. Je crois que c'était vraiment extrêmement important que les étudiants sentent un peu ce soutien de la part des institutions. Maintenant, il est clair que on n'a pas là encore une fois mesuré l'effet encore complet du décrochage. On en parle souvent. C'est vrai que pour l'instant, les chiffres ne semblent pas indiquer qu'il y a eu un décrochage de la part des étudiants. Ils ont été extrêmement résilients et vraiment, j'en suis très, très admiratif. Ils ont vraiment croché pour essayer vraiment de pouvoir continuer leurs études avec toutes les difficultés que ça impliquait sur le plan psychologique. Il y a une résilience assez extraordinaire. Maintenant, comment va se produire maintenant le retour vers une situation un peu plus normale ? Et de toute façon, ce sera aussi compliqué. Hein. Je veux dire, on se rend compte aujourd'hui que certains étudiants se posent la question, est-ce que je vais revenir à Genève ? C'est le cas notamment pour l'Institut IHEID, mais pour l'Université de Genève aussi, on a 40% d'étudiants étrangers. Est-ce que je vais prendre le risque de prendre un logement, ne sachant pas comment le retour se fera au mois de septembre ? Est-ce qu'on doit continuer à effectivement cet enseignement hybride qui a été mis en place avec la possibilité d'accueillir le maximum d'étudiants dans nos salles de cours ? On le souhaite, la présence elle est vraiment importante, elle est constitutive d'une formation de haute école universitaire et ça c'est vraiment important que les étudiants puissent retrouver ce lien entre eux, ces liens aussi avec leurs enseignants. Puis en même temps, on aura aussi sans doute le devoir de pouvoir continuer à faire en sorte que les cours soient accessibles en ligne sans qu'on donne ce message. Et ça, c'est bien compliqué, que dorénavant, l'université se fera à distance. Donc, c'est un message extrêmement compliqué, et qui est aussi compliqué pour les enseignants. On a récemment discuté aussi au niveau de Swiss Universities, qui regroupe l'ensemble des hautes écoles de Suisse, de la question de l'enregistrement des enseignements. Et la réaction de certains de mes collègues, au départ un peu surprise, mais je l'ai un peu mieux comprise après coup, certains disant « non, mais il faut vraiment ne plus enregistrer, parce qu'enregistrer, c'est faire en sorte que les étudiants finalement choisissent de rester chez eux. » Alors que moi, je voyais beaucoup plus l'effet pédagogique utile d'avoir des enseignants, des étudiants qui sont à la fois en présence durant la journée, mais qui peuvent avoir la chance de retrouver les cours qui ont été enregistrés. Ça va être une question extrêmement importante et débattue au sein de notre institution. On a fait des équipements assez massifs sur l'ensemble des salles de cours de plus de 50 étudiants. Est-ce qu'aujourd'hui, des enseignants qui sont dans ces salles ont l'obligation d'enregistrer leurs cours ? C'est une question qui est ouverte. Il n'y a pas d'unanimité sur cette réponse à donner, mais ça, c'est des questions qu'il faudra vraiment pouvoir aborder très, très concrètement. On a mis aussi en place très récemment un programme de repas à 3 francs à l'Université de Genève. On a fait une estimation sur 2 mois d'un montant de 150 000 francs pour couvrir le delta entre les prix normaux des repas chauds dans nos cafétérias et ces 3 francs. Aujourd'hui, après 1 mois, on a déjà dépensé le montant total qui avait été imaginé. Donc ça a eu un succès très important qui nous a surpris, mais ce qui signifie qu'il y a des étudiants qui ont vraiment même quitté leur domicile pour venir simplement manger à l'Université de Genève. Ils ont aussi profité tant mieux d'aller à la bibliothèque. Mais ça, c'est évidemment des signaux qui montrent à quel point on est dans une situation de précarité qu'on n'a peut-être pas complètement mesurée et imaginée. Un point aussi qui est évidemment important, c'est le nombre d'étudiants. Alors c'est le cas pour vos institutions également. Nous, à l'Université de Genève, on a une croissance en 2020, à la rentrée 2020, de 8,6% d'étudiants.
Et ça, c'est très inquiétant parce qu'on a les infrastructures que l'on a, elles n'ont pas évolué à cette taille-là. Et pour l'instant, on n'a pas encore ressenti véritablement l'impact de ces 8,6% d'étudiants supplémentaires. Mais si demain, à la rentrée, ils sont là et qu'on a encore une croissance supplémentaire, comment est-ce qu'on pourra les accueillir correctement dans nos salles de cours sans que la qualité de nos enseignements en souffre? Ça, c'est vraiment une question qui est à ce stade vraiment très ouverte et qui me préoccupe passablement. Au niveau de la recherche, oui, des prolongations de contrats de recherche qui ont dû être mis en place parce qu'il y avait vraiment cette responsabilité de pouvoir faire en sorte que les chercheuses et chercheuses puissent continuer leur recherche correctement. Et puis les effets dont on n'a pas complètement aussi mesuré encore l'impact, des inégalités entre mes femmes qui sont apparues. On s'est aperçu effectivement qu'il y a eu une augmentation très importante du nombre de publications durant cette phase de pandémie, mais avec des inégalités fortes qui peuvent être la traduction simplement que les femmes ont poursuivi leur aussi, à côté de leur carrière professionnelle de chercheuse, ont continué aussi des tâches domestiques et que ces tâches domestiques les ont évidemment accaparées. Aussi, peut-être plus d'investissement de la part des chercheuses sur l'enseignement. On voit aussi souvent un peu ce type d'inégalité. Les femmes ont ce souci de pouvoir transmettre, peut-être un peu plus que nos collègues masculins. Et là, il y a des inégalités qui se sont creusées et qui nous amèneront sans doute aussi à réfléchir d'une autre manière d'évaluer les dossiers. On a tous signé les déclarations de Dora, mais pour l'instant, il y a peu d'institutions qui les appliquent véritablement. Nous, on a la faculté de médecine qui va mettre en œuvre vraiment cette déclaration de Dora pour la pousser relativement loin. Et je pense que ce sera aussi une autre manière de juger le CV de nos collègues et de nos chercheuses et chercheurs. Ça, c'est un point qui me paraît extrêmement important. Pour la gouvernance, et je terminerai par là, finalement, cette pandémie a eu un impact, je pense, positif du point de vue de la capacité que nous avons pu avoir de créer des liens et des lieux de dialogue entre l'ensemble des corps de cette université, qui n'existaient peut-être pas autant, ou qui ont été simplement réactivés, ou qui étaient mis en place, parce qu'il y a eu effectivement cette cellule de crise qui a été élaborée aussi à l'Université de Genève, et puis des rencontres extrêmement régulières avec les facultés, avec les étudiants, de manière à pouvoir à la fois comprendre les difficultés qu'ils et elles rencontraient, et de pouvoir y répondre de manière la plus adéquate possible. Et je pense que ça aura un impact, sans doute, sur l'avenir en termes de gouvernance. Je pense qu'on a appris et gagné quelque chose qu'il faudra conserver. Merci. De nombreux arbitrages à faire, donc, et puis, mais en même temps, émergence d'espace de dialogue pour pouvoir justement trouver des solutions communes. Comment ça s'est passé, Luciana Vaccaro? Effectivement, en écoutant mes collègues, je vois qu'on est sans surprise confronté aux mêmes défis et puis on a grosso modo esquissé les mêmes solutions. Aussi parce qu'on a beaucoup échangé durant cette période, parce qu'on était seul face, il n'y a pas un manuel, comment un recteur gère une pandémie, non? Mais je pense que dans nos solutions, ils émergent certaines spécificités. Je fais un exemple concret. Nous aussi, on a eu un fonds d'aide d'urgence pour les étudiants qui a été modelé d'une manière assez homologue à ce qui a été fait à l'Université de Genève. Mais là-dedans, on voit une différence par domaine. C'est-à-dire que les étudiants des domaines artistiques ont été violemment frappés par cette crise. Et puis on le constate, on voit que les théâtres, les cinémas, les spectacles n'ont repris que tout récemment. Et donc ces étudiants qui avaient des petits jobs dans ce domaine, ils se sont retrouvés dans des conditions dramatiques. Donc ils ont fait beaucoup plus de demandes d'accès à ce fonds d'aide d'urgence. J'ai des exemples d'étudiants qui nous ont dit qu'ils mangeaient une fois par jour. Ils avaient durant cette période. Donc ça, c'est une spécificité. Comme l'a cité le recteur de l'Université de Genève, il y a cette inégalité face, surtout dans la première phase de pandémie, face à pour les chercheurs et les chercheuses, on voit que les femmes ont été confrontées au fait que les enfants étaient à la maison, donc il y avait toute une des tâches supplémentaires en plus de celles qui assument déjà toujours, et donc un retard dans les carrières. Donc on a souhaité faire un soutien spécifique, pas spécifique aux femmes, mais disons spécifique surtout pour les jeunes chercheurs qui ont vu leur activité de recherche retardée à cause de la pandémie. Et puis j'aimerais citer un dernier point qui est important pour moi. On entend beaucoup aujourd'hui des craintes de nos étudiants d'avoir un diplôme tag COVID.
Et ça, c'est une autre inégalité, c'est une inégalité verticale. Il me tient à cœur que ces étudiants qui ont traversé quand même une épreuve très difficile dans une phase très délicate de leur vie dans laquelle ils s'ouvrent au monde, ils n'aient pas apporté cette peine pour le reste de leur vie. D'ailleurs, je dois dire que moi, je viens d'une région d'Italie qui a vécu un énorme tremblement de terre quand j'étais un peu plus petite. Mais nous avons aussi été confrontés à cette, ma génération, à ce moment dans lequel la vie s'est arrêtée, l'économie s'est arrêtée, les écoles se sont arrêtées. Donc, j'avais en moi le souvenir de cette expérience. Donc, moi, je leur dis toujours à nos étudiants, pas de tag Covid, mais expérience Covid. Ce qu'a dit le recteur de l'Université de Genève est extrêmement important. Ils ont fait preuve d'une résilience incroyable. Ils ont un plus dans leur expérience en termes de maturité. Et après, nous, on marche sur une ligne de crête. C'est-à-dire comment faire en sorte que ces étudiants puissent avoir un accès équitable aux études sans que nous, on baisse les exigences. Parce que nous, on doit pouvoir garantir la qualité de ce diplôme. Puis, juste un dernier point que j'avais oublié, que je tiens à citer, c'est qu'une des spécificités de l'HSSO, c'est être ouverte sur la cité, être en lien, en contact avec l'environnement. Donc, quand tout était fermé, dans la première vague de la crise, nos bâtiments étaient fermés aux étudiants, mais ils se sont ouverts aux sans-abri. Et ça, je pense que c'était une autre manière de la HSSO et des écoles de travail social de répondre aux inégalités sociales que nous, on étudie et sur lesquelles on œuvre tous les jours, surtout les chercheurs et les chercheuses de ces écoles que je remercie au passage. Et ça, c'était vraiment notre manière d'apporter la pierre à l'édifice dans une crise qui n'avait pas de précédent depuis 100 ans. Merci. Merci à vous. Et effectivement, l'importance de prendre en compte aussi les personnes qui n'ont pas d'abri quand il s'agit de rentrer à son domicile. Je crois que l'Université de Genève a fait la même chose. Alors, on va gentiment clore cette table ronde avec une dernière question, en fait, qui concerne bien la place de la sociologie, puisqu'on est à un congrès de sociologie, la place de la sociologie dans vos institutions. Et donc, je vous pose la question à vous, Yves Fluquière. Alors, c'est une place essentielle pour moi. Et le choix que l'Université de Genève d'être une université polyvalente, alors parfois on dit universaliste, généraliste, mais je préfère le terme de polyvalence parce que cette polyvalence est une immense richesse. Et je crois que tous les défis auxquels on doit apporter des réponses aujourd'hui, eh bien il faut les aborder sous un angle justement pluridisciplinaire, multidisciplinaire, et surtout éviter de ne voir que le côté technologique. Peut-être que la pandémie a eu ce défaut éventuellement, c'est de penser que la réponse était purement médical. La vaccination, oui, effectivement, c'est un élément extrêmement important, mais pourquoi est-ce que certaines populations sont plus ouvertes que d'autres à la vaccination? Voilà des questions auxquelles la sociologie apportera des réponses extrêmement utiles. Pourquoi est-ce que cette fameuse application Covid-19 qui avait été élaborée technologiquement de manière, je crois, relativement élaborée, assez parfaite, n'a pas été adoptée par la population suisse? Donc il y a énormément de questions auxquelles il faut vraiment pouvoir répondre avec des contributions de la sociologie. Alors c'est vrai que même dans mon histoire, personnellement, j'avais souhaité faire de la sociologie à l'Université de Genève, ce que j'ai fait d'ailleurs, parce que c'était vraiment la volonté de pouvoir comprendre un peu le monde. Et puis après, effectivement, je suis rendu compte que pour vraiment bien le comprendre, il fallait peut-être y ajouter une composante économique, ce que j'ai fait par la suite. Mais je pense que vraiment ça représente bien un peu cette polyvalence dont on a vraiment besoin. Et j'y suis moi très, très attentif et très, très soucieux. Et donc vraiment, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir préserver. Donc je suis particulièrement heureux que le Congrès suisse de sociologie ait choisi ce thème de la justice sociale en temps de pandémie et d'incertitude. Je crois que vous avez fait un très joli choix de thème. Mais j'espère véritablement que dans les prochains programmes nationaux de recherche qui vont être lancés, la sociologie ait vraiment toute la place qu'elle mérite pour pouvoir répondre à ces défis. Merci beaucoup. Et donc, comment ça se passe alors pour le travail social? Qu'est-ce que la sociologie apporte au travail social et réciproquement, le travail social à la sociologie?
Je pense que la sociologie apporte au travail social toute une pratique réflexive qui permet de faire évoluer les pratiques des travailleurs sociaux. A contrario, le travail social apporte cette approche terrain. Nous, on a cette possibilité d'être en contact permanent avec les bénéficiaires, mais je dirais aussi avec la population, avec les associations, donc de faire remonter les problématiques sociales. Et puis, j'aimerais dire aussi, si vous le permettez, qu'est-ce que ça m'apporte, moi, le travail social, et dans la réflexion institutionnelle qu'il y a eu. Alors, je pourrais être du côté obscur de la force, parce que je suis une physicienne, donc on pourrait s'imaginer que la technologie, elle est centrale. Eh bien, c'est le contraire. Je pense qu'en 8 ans de rectorat, l'équité, ça a été vraiment au centre de notre action. Et je me suis énormément inspirée des réflexions qui m'ont permis aussi d'identifier mes biais personnels pour que cette égalité des chances, qui est vraiment le moteur de l'institution, pour les étudiants, mais je dirais pour toute sa population, soit au centre de notre action. Merci. Donc, je me tourne vers une sociologue pour lui demander quelle est l'importance de la sociologie dans son institution. Bon, vous savez la réponse déjà. Non, mais l'Institut, évidemment, est un cas un peu particulier puisque l'Institut est une université de sciences sociales, donc n'a pas cette problématique de choisir ou de créer un équilibre entre les sciences qu'on appelle parfois dures et les sciences sociales. Mais la question de la place de la sociologie dans cet ensemble de sciences sociales, il y a 6 piliers intellectuels en termes de discipline à l'Institut. Il y a l'économie, il y a le droit, il y a la science politique, il y a l'histoire, il y a l'anthropologie et la sociologie. L'anthropologie et la sociologie, de manière assez intéressante, font partie du même département à l'Institut. Donc il y a déjà en fait cette affirmation de transdisciplinarité qui est au cœur de l'identité de l'Institut, qui est même carrément ancrée dans ce département et dans la manière dont il a été créé à l'origine. Donc on a déjà un département transdisciplinaire à l'intérieur d'une faculté qui a vraiment une vocation et un projet transdisciplinaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette transdisciplinarité? C'est une grande réflexion qu'on a lancée depuis mon arrivée, parce qu'il y a une affirmation de l'Institut qui est que la justice sociale, par exemple, prenons cet exemple, c'est un fait social total, comme disait Marcel Mauss, c'est un fait qu'il faut regarder dans toutes ses dimensions. Il y a une dimension économique, il y a une dimension, bien sûr, sociologique, il y a une dimension anthropologique, il y a une dimension historique. Hein, sur tous ces éléments sont forcément nécessairement partie prenante d'une compréhension de phénomènes comme celui-là. Et il est clair que l'Institut projette son identité et sa contribution singulière, on va dire, dans sa capacité à porter ce genre de regard sur des objets sociaux, des objets économiques, et à élargir finalement la compréhension de ce que sont ces objets pour vraiment montrer l'interpénétration de toutes ces dimensions. Il est clair aussi que ce n'est pas facile parce que les disciplines et nos professions sont très dominantes dans la manière dont une carrière de professeur aujourd'hui se passe. Il est clair que la dimension disciplinaire est quand même très, très, très forte et très puissante. Donc on a lancé une très grande réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire la transdisciplinarité, y compris d'ailleurs au-delà de nos disciplines de sciences sociales. Donc comment on va interagir avec d'autres institutions et d'autres disciplines hors de l'Institut. Et ça, c'est un travail qui est en cours, c'est un travail sur lequel on a progressé, mais qui est encore en cours parce qu'il faut walk the talk, en fait. Il faut vraiment aller jusqu'au bout de cette problématique de transdisciplinarité dans un contexte qui n'est pas forcément c'est pas très facile, vraiment, très objectivement, c'est pas très facile. Dans ce contexte-là, la sociologie a toute sa place à l'Institut. C'est une place importante, mais pas forcément plus que l'histoire, pas forcément plus que la science politique. C'est une place forte, un des piliers sur lesquels on construit ce regard transdisciplinaire et ce regard, en fait, de projection sur le monde comme fait social total. Merci beaucoup de votre participation à cette table ronde. Merci de vos mots de bienvenue à nos collègues sociologues et place maintenant
place maintenant à notre congrès de sociologie suisse, enfin, congrès suisse de sociologie 2021. Merci.